Cube, je viens de regarder un film qui fait peur. Ça s'appelle Le Gouffre. Donc le film il est en noir et blanc. Au début c'est en Bretagne, il pleut tout le temps. Alors faudrait juste dire au réalisateur que quand même on a la couleur en Bretagne, hein, tout est pas gris, il pleut pas tout le temps. Mais là il pleut, pleut, il n'en peut plus pleuvoir. Le film ça commence. Tu vois des Allemands qui arrivent dans un camping breton. À niveau marketing, je suis pas sûr que t'aies bien choisi le nom de ton camping, mais bon, ils veulent passer la nuit au camping parce qu'ils ont raté leur ferry pour le lendemain. L'héroïne du film. J'ai entendu un bruit de l'héroïne du film, Céleste. Elle est venue passer son été en Bretagne pour garder le camping avec son oncle. Et donc il y a une petite fille avec les Allemands. Et le lendemain, la petite fille, elle a disparu. Ah, tout le village se met à sa recherche. Il y a celui qui a un pendule pour aider à chercher la petite fille. Vous croyez vraiment la retrouver comme ça? C'est pas une question de croyance. Et Céleste, à un moment, elle voit le petit chat de la petite fille qui est à l'entrée du gouffre. Et là, il se passe un truc très bizarre. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre des gens équipés, des pompiers avec des cordages et tout, non, Céleste, elle accroche un fil de pêche à son calbar. Et elle y va toute seule. Télé, c'est Jean-Paul. Sortez-y tout de suite, ça peut s'éponger à tout moment. Et là, je peux pas te raconter la suite. Il faut que t'ailles voir le film. Mais par contre, après, tu pourras plus dormir. Et je suis pas sûr que t'as envie d'aller en Bretagne. J'ai peur d'ouvrir les yeux. Et j'ai peur de les fermer.